fluorescine pour repérer le réseau qui descend, se met en charge, l'aliment quand il pleut énormément se met en charge et s'évacue mal. Et on va essayer de trouver la sortie. On a quand même un tout petit peu qui sort. Passer la caméra, ça bloque quelque part en bas. Et puis on va passer, une fois qu'on a trouvé la sortie, on va passer la caméra de l'autre côté. Une fois mise en charge, il y a infiltration ici et puis au deuxième. Recherche de fuite a pratiquement fini.